Les otages sont sauvés, Sabal. Tu honores le nom de ton père, EJ. C'est ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le Sentier d'Or. Aider son peuple. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père, ni pour tout ça. Tu peux vraiment être utile, mon frère. La prochaine fois, regarde tout ce que t'as fait. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais en aidant le Sentier d'Or, tu arriveras à Lakshmana. Je te le promets. On trouvera ensemble. Merci, Sabal. EJ, c'est Amita. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. Je comprends. C'est nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi ? De pleurs. Il n'aime pas perdre ses joujoux. Tu comprends pas, EJ? On avait un plan, et maintenant il est foutu. Il faudra un bout de temps avant de pouvoir réattaquer Paul. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Pas si je peux empêcher ça. EJ, attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. EJ, non, non... AJ. Oui. Oh, super. C'était seulement pour vérifier que t'étais bien là.